chapeau, lunettes de soleil, parasol. Je suis prêt pour un bon bain de soleil. Ah, j'allais oublier, la crème solaire. Même à l'ombre, elle est utile. Ça nous est toutes et tous arrivé un jour ou l'autre, un coup de soleil. Ça fait mal et c'est pas très bon pour notre santé. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi on attrape un coup de soleil, comment s'en protéger, à quoi correspondent les chiffres sur les flacons de crème solaire et pourquoi nous ne sommes pas tous aussi sensibles au soleil. Le soleil émet de la lumière visible, les fameuses couleurs de l'arc-en-ciel, mais pas seulement. Une partie de son rayonnement échappe à notre regard. Nos yeux n'y sont pas sensibles. Heureusement, une grande partie d'entre eux est arrêtée par la couche d'ozone, mais pas les UVA et B. Ce sont eux qui peuvent faire du tort à notre peau. Voici une maquette représentant la peau en coupe, avec ses trois couches. L'hypoderme, le derme et au-dessus, l'épiderme. Oui, je sais. Ça chatouille. Les UVB pénètrent dans la couche superficielle de la peau, l'épiderme, jusqu'à la couche basale située à l'interface derme-épiderme où se trouvent les cellules souches de la peau. C'est cette couche qui, en se régénérant, permet à la peau de se renouveler en permanence. Le problème, c'est que les UVB pénètrent au cœur des cellules et atteignent l'ADN contenu dans leur noyau. Or, une fois l'ADN touché, les cellules ne fonctionnent plus correctement. Elles peuvent même dégénérer. Notre organisme choisit alors de s'en débarrasser. À ce moment-là, l'afflux sanguin augmente pour que les globules blancs fassent le ménage. Les vaisseaux s'élargissent, c'est la réaction inflammatoire. Et c'est bien parce que les vaisseaux se dilatent pour laisser passer davantage de sang que la peau rougit et que l'on éprouve une sensation de chaleur et de douleur. Ah, c'est sûr, je mets plus le nez dehors. Heureusement, ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Uniquement lorsque l'on s'expose sans prendre garde. Il est hors de question de se passer complètement de soleil. Notre organisme a besoin de lumière. Elle régule notre horloge biologique, notre humeur. Elle active la production de vitamine D, celle que l'on surnomme la vitamine du soleil. Nos os en ont besoin pour fixer le calcium et elle stimule aussi notre système immunitaire. Nous devons donc apprendre à vivre avec le soleil. Heureusement, notre peau dispose de systèmes de défense naturelle contre les UVB. La couche cornée d'abord. Une couverture constituée de cellules de peau mortes qui agit comme un film protecteur. Elle renvoie une partie des UVB. Plus on s'expose au soleil, plus cette couche s'épaissit. Et ce n'est pas tout. Plus en profondeur, l'ADN au niveau de chaque cellule est protégé par des pigments, la mélanine. La peau en contient plus ou moins selon qu'elle est claire ou foncée. La mélanine agit comme un bouclier en absorbant les UVB. Elle est produite par des cellules spécialisées, les mélanocytes. Plus il y a de soleil, plus les mélanocytes produisent de mélanine. Il faut 48 heures pour que le processus se mette en place. C'est pourquoi il est recommandé de s'exposer au soleil graduellement quand on part en vacances. Quelques minutes au départ, puis un peu plus chaque jour, et peu à peu, la peau prend des couleurs. En effet, quand une cellule de peau meurt, elle est poussée vers la surface en transportant la mélanine qu'elle contient. Plus on s'expose au soleil, plus les cellules qui s'empilent dans l'épiderme contiennent donc de la mélanine. Et plus on est bronzé. Ceci explique aussi qu'une fois l'été passé, le bronzage disparaît. Les cellules qui contiennent beaucoup de mélanine, comme toutes les cellules, arrivent à la surface de l'épiderme et elles disparaissent. La peau desquame, comme l'on dit. Comme il y a moins de soleil, elles sont petit à petit remplacées par des cellules qui contiennent moins de mélanine. Mais alors, s'il faut s'exposer pour produire de la mélanine et que la mélanine nous protège du soleil, à quoi ça sert de se badigeonner de crème? Tu pouvais pas me le dire plus tôt? Parce que la mélanine ne fait pas tout. D'abord, parce qu'en fonction de notre pigmentation, nous en produisons plus ou moins. Moi, par exemple, qui ai la peau claire, j'en produis peu. Moins que Teddy Riner ou Will Smith. Donc, le bouclier n'a pas toujours la même efficacité. Du coup, il y en a qui peuvent se passer de crème solaire? Pas du tout,
Car si la mélanine protège assez efficacement contre les UVB, elle laisse passer un autre type d'ultraviolet, les UVA. Souvenez-vous, eux aussi arrivent jusqu'à nous. Ceux-ci pénètrent encore plus profondément au niveau de la deuxième couche de la peau, le derme. Ils s'attaquent à sa structure et à long terme, ce sont les principaux responsables du vieillissement cutané et du développement des cancers de la peau. Donc peu importe la pigmentation, il faut se protéger du soleil. Le peuple Touareg l'a bien compris. Malgré les fortes chaleurs du désert, il se couvre entièrement de tissu à la maille serrée pour ne pas laisser passer les UV. En Égypte antique, on trouve aussi des papyrus qui font déjà mention de produits destinés à la protection solaire. Les crèmes solaires que nous utilisons aujourd'hui ont vu le jour au début du XXe siècle, au Japon, aux États-Unis, puis en France, avec ce que l'on appelait l'ambre solaire. Leur utilisation a vraiment explosé avec les premiers congés payés en 1936, les premières vacances au bord de la mer. Alors vous l'avez deviné, les crèmes solaires sont conçues pour empêcher les rayons ultraviolets de pénétrer dans la peau. Pour cela, elles contiennent différents types de filtres qui absorbent ou repoussent le rayonnement solaire. Mais du coup, 20, 30, 50, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'indice SPF. Sunburn Protection Factor, le facteur de protection solaire. Il indique la capacité du produit à retarder l'apparition d'un coup de soleil. Pour le calculer, on expose une petite surface de peau d'un courageux volontaire à un rayonnement ultraviolet. Une partie de cette surface est recouverte de crème, l'autre non. Et on mesure le temps qui s'écoule jusqu'au moment où la peau commence à rougir. Si le coup de soleil apparaît au bout de 2 minutes sur la peau nue, alors qu'il n'apparaît qu'au bout d'une heure sur la surface protégée, l'indice de protection est de 30. Car la durée d'exposition avant l'apparition du coup de soleil a été multipliée par 30. Un indice de protection de 50 signifie que le facteur de retardement a été multiplié par 50. Et 50 plus, ça veut dire quoi? C'est ce qui est mentionné lorsque l'indice de protection est supérieur à 60. 2 minutes par exemple pour que la peau rougisse en l'absence de protection, 120 minutes, 2 heures ou plus avec la protection. Pour autant, aucun produit ne peut permettre une protection totale. C'est pour cette raison qu'en Europe, la mention écran total a disparu des emballages depuis 2006. 50, ça devrait le faire. Bon, il faut quand même être très vigilant avec les crèmes. Les tests sont réalisés dans des conditions de laboratoire. Ils ne prennent pas en compte tous les aspects de la vie quotidienne. Une mauvaise application, la transpiration, le frottement des vêtements ou du sable sur la peau, la baignade. Bref, on estime que la protection est au moins réduite de moitié par rapport aux tests réalisés en laboratoire. Du coup, quand vous lisez 30, pensez plutôt 15. C'est pour cette raison qu'il est fortement conseillé de renouveler l'application de la crème au moins toutes les 2 heures et après chaque baignade. Bien reçu! Cette fois, j'ai mis la dose. Pour ta peau, c'est très bien. Pour l'environnement, en revanche, c'est pas drôle du tout. Chaque année, près de 25 000 tonnes de crème solaire se diluent dans les mers et les océans. 2,5 fois le poids de la tour Eiffel. Or, certains composés chimiques contenus à l'intérieur peuvent perturber la faune marine, en particulier les coraux. Ils détruisent les larves du corail, perturbent leur reproduction et provoquent leur blanchissement. Pour lutter contre cette pollution, certains pays comme la Thaïlande, Hawaï ou l'archipel de Palaos dans le Pacifique ont purement et simplement interdit les crèmes solaires les plus toxiques, à savoir celles qui contiennent de l'oxybenzone, de l'octocrylène et des parabènes. Ces composés sont présents dans la plupart des crèmes vendues par les grandes marques. Selon plusieurs associations écologistes, la crème 100% biodégradable et sans impact sur l'environnement n'existe pas encore. En fait, pour se protéger la peau des risques de coups de soleil et de cancer cutané, sans polluer l'environnement, eh bien il faut se couvrir avec des vêtements légers, même pour la baignade. Comme ça, ça te va très bien. De cette manière, on réduit les parties du corps à protéger avec de la crème qui se limite au visage, aux oreilles, aux avant-bras et aux jambes. Enfin, il est préférable de ne pas s'exposer au soleil entre 10h et 16h. Et n'oubliez pas non plus le chapeau et les lunettes de soleil.
Voilà, je suis sûr que maintenant vous en connaissez un rayon sur les coups de soleil. Je vous souhaite une excellente semaine et à dimanche prochain. Waouh, il n'y a pas un pet de nuages.